À l'Assemblée nationale, le programme commence de bonne heure. Avant même que les députés n'arrivent, il y a déjà du monde. Ce matin, c'était des enfants venus avec leur école pour en savoir plus sur le Parlement. Quelques révisions ne sont pas inutiles. Tu sais ce qui va se passer cet après-midi dans l'hémicycle ? Non. Je crois que M. Juppé va faire son discours pour être maire de Paris. Alain Juppé, le Premier ministre, qui va faire son discours. Il va présenter le gouvernement. Un peu plus tard cet après-midi, les enfants avaient laissé la place. Grande affluence dans les couloirs pour le discours de politique générale d'Alain Juppé. Une heure et demie de temps de parole et une première impression. Au RPR, ancien baladurien ou chiracien, le sentiment est bon. Je veux dire que j'ai été très satisfait de voir avec quelle autorité le Premier ministre prend les choses en main. Je pense que c'est un très grand discours, programme qui normalement va engager la France dans une nouvelle relance sur le plan social et économique. Deuxième impression, à l'UDF, un peu moins d'enthousiasme, le discours a été trouvé, disons, sérieux. C'est un discours de travail et d'annoncer le travail. On va travailler. J'ai pris ça un petit peu comme un devoir. Ou en tous les cas, un programme de travail important qui nous attendait. Troisième impression, dans l'opposition, tous l'ont trouvé plutôt faible et attendent de voir. Je l'ai trouvé stupéfiant parce que je ne comprends pas qu'on puisse parler pendant une heure et demie de programme, de dépenses, de véritable catalogue auquel nous avons du droit, sans dire un mot sur les recettes, sur les ressources. Je dirais qu'à bien des égards, c'est du baladur bis. Nous prenons en compte acte des... Les volontés qui ont été affirmées, mais évidemment, nous attendons que les choses se concrétisent sur le terrain et nous nous battrons pour qu'elles se concrétisent sur le terrain. Conclusion, une majorité qui approuve le gouvernement, une opposition qui la critique, rien après tout que de très normal. Alain Juppé, en tout cas, avec la confiance de l'Assemblée, va pouvoir se mettre au travail. Il a promis d'aller vite.